J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui, les frérots, on va aller tester une team génie. Alors pourquoi génie? Tout simplement pour le lien génie, donc qui donne 10% d'attaque, qui est un très bon lien. Donc comme vous le voyez ici, dans la team, on a pris double Vegeta Evolution en leader, tout simplement parce que j'étais obligé. En fait, faut quand même avoir un leader un minimum potable. On va pas prendre du 70%, c'est pas super intéressant à ce niveau-là. Donc on a pris le Vegeta Blue Evolution, le Vegeta LR Int. Le Broly des Dragon Ball Super, le nouveau Broly, le Vegeta God, le Vegeta Support, le Broly ZTR, et puis bien sûr, en ami, un Vegeta Blue Evolution. Ils sont tous arbres gratuits, voilà, tout simplement. On va tous les tester avec l'arbre gratuit. Et on va aller voir ce que ça donne, tout simplement. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait grave plaisir. On va les tester sur le boss rush, tout simplement. Voilà, c'est un petit truc fun comme ça. J'avais envie de voir. Et puis, let's go. Alors. La chose à savoir, c'est qu'il y a aussi les Freezer qui rentrent dans cette catégorie et quelques autres persos. Mais tout simplement, les Freezer, j'avais pas de leader en fait pour les jouer. Si je jouais les Freezer, bah je pouvais pas jouer les Vegeta, ni les Broly en fait. Sauf si j'ai joué en extrême 120%, mais encore une fois, c'est vrai que niveau des leaders, je sais pas trop comment ça. Comment faire. Alors, là, on va avoir du 130% d'attaque, donc les dégâts ne vont pas être les plus impressionnants qu'on ait jamais vu, hein, ça c'est clair. Donc on va avoir du 57 000 en défense sur le Vegeta Blue Evolution. Pas ouf, mais bon, c'est arbre gratuit quoi. Sur le Vegeta Int, par contre, le LR, on va avoir du 71 000, ce qui est plutôt excellent. Le Vegeta God a quand même du 60 000. Alors je suis assez étonné en vrai de la défense, hein. Je pensais qu'avec un arbre gratuit, ça allait pas tant que ça. Mais franchement, 60 000 avec un arbre gratuit, je suis sur le cul, hein. Ah ouais, c'est... Ok. Ok, d'accord. Alors, le LR, je sais pas si... Ah, je crois que le LR... Ouais, le LR SP10. Il est pas SP20, le LR, donc il va taper moins fort, forcément. Bon, ici, on va galérer à partir en SP. Au niveau des liens, c'est vrai que c'est pas terrible pour cette première rota. On va mettre le Vegeta God en premier, parce que si vous vous rappelez bien, il augmente son attaque à chaque fois qu'il est pas en SP, et il peut monter assez haut. On va jouer le... On va sortir le... Le LR de la rotation, du coup. Vous voyez qu'on se prend pas. Alors, là, il a pas sa garde d'activer. Je l'ai vu juste avant. Bon, après, l'event, il fait pas assez de dégâts aussi. Hein, puisque c'est bizarre quand même qu'on se prenne que ça alors qu'on n'est pas. On n'est pas non plus une défense de malade. Hein. On n'est pas non plus une défense de malade. Donc, on monte à 800 000. Oh, c'est correct. Hein. C'est correct. Le petit Vegeta qui va nous faire du 1 million 3 ici. Bon après c'est ils ont pas de barrière eux, donc forcément on fait beaucoup de dommages. Mais j'avoue que je suis assez étonné par les dégâts quand même. Ok, d'accord. Normal, armure gratuit, il fait tout ça normal. Bon, c'est là que vous voyez aussi la puissance de Vegeta. Le Broly Dragon Ball Super, on va le garder en rota. Alors on va voir à combien il part lui ce petit gars là. Ce petit gars-là avec l'arbre gratuit, à combien il va partir? SP10. C'est un truc qui est assez fun à voir. Hop, donc là on va avoir le lien Super Saiyan et bah Génie qui joue 321 000. Bon, c'est pas terrible, on s'y attendait. Mais il a quand même fini. Donc là c'est. Donc j'ai lancé le mauvais boss rush, je crois. Ah ouais, j'ai lancé le mauvais boss rush. Bon, c'est pas très grave. Alors, pour le Broly ZTE, on va aller sur du 56 000 de valeur d'attaque. Il va en tuer un, donc pour rappel, à chaque fois qu'il lance une attaque, il augmente sa défense. À chaque fois qu'il prend une attaque, il augmente son attaque. Si je me souviens bien, c'est l'inverse, mais bref. Vous avez compris le principe. On va partir comme ça. Alors, il va monter à combien, lui, arbre gratuit? 870 000. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Il n'est pas boosté, donc c'est assez normal, hein, c'est assez normal. Alors le Vegeta qui partait à 700 000 tout à l'heure, il va partir à 796 000 là. Alors je rappelle qu'on a un boost de 130% d'attaque aussi. C'est pour ça que les valeurs d'attaque ne sont pas incroyables. Mais le Vegeta arrive quand même à taper, j'ai 1 million 2, hein, enfin 1 million 1 c'est assez impressionnant, sachant qu'après en plus il enchaîne avec des auto-attaques. Donc ça montre que vraiment il est très très fort. Hein. On a la transformation du Broly donc qui arrive là.
Ah, il va l'éclater. Il va l'éclater. Hop, on va le mettre ici. On n'a pas. Il nous manque un lien, du coup, il nous manque. Combat acharné. Alors, c'est un peu débile de ne pas avoir mis le LR spam. Hein. C'est vrai que. J'y avais pas pensé. Alors, on va se prendre du spé. On va se prendre combien sur l'aspect? Sachant que le Broly, il a un très bon boost de défense. Ah, on s'est pris quand même que du 87 000. Après, arbre gratuit. On a vu que sur l'auto-attaque, on s'était pas pris grand-chose. On s'est pris du. On s'est pris moins de 10 000. Je crois qu'on s'est pris du 3 000, même pas. Bon, la barrière qui va peut-être sauter un jour. Le Vegeta qui part en spé à 471 000. Bon, après SP20, les dégâts sont vraiment différents. J'ai fait un peu le débile là. J'avais oublié qu'il fallait mettre SP20. Le Vegeta Blue qui se transforme. Le Vegeta Blue évolution qui se transforme du coup. Alors, il va avoir combien de valeur d'attaque? On va avoir du 124 000 et du 82 000 en défense. Il est vénère. Hein. 82 000 en défense. Arbre gratuit, c'est assez vénère. Hein. Le Broly, il va avoir du 88 000 en défense ici. Ah ouais, on a vu qu'il avait, il avait bien augmenté sa défense. 88 000 arbre gratuit. Mais j'y crois pas en fait. Mais si, c'est bien ça. Les gars, je suis sûr, franchement, hein, genre, il a du 90 000 de défense arbre gratuit. Qu'est-ce que c'est? Par quelle sorcellerie? Qu'est-ce que je suis en train de voir ici là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hop, on va partir en spé ici. J'ai failli pas partir en spé parce que j'allais oublier. On va encore se prendre des dégâts avant en plus. Bon, alors on se prend pas grand-chose. Alors il part à combien en spé? 1 million 6 arbres gratuits? C'est pas possible, les gars. 1 million 6 de valeur d'attaque arbre gratuit. Dis donc. Bon, après, le Vegeta, ça va être à peu près la même valeur d'attaque parce que c'est surtout sa défense qui augmente. Et son taux de critique aussi. Son taux de critique. Donc, on va avoir 10% de plus en attaque. Les dégâts vont pas être flagrants. Du 868 000, hein, le Vegeta qui monte bien son attaque. Hein. Une très bonne unité. On voit bien que son attaque augmente au fur et à mesure. C'est assez cool. Je kiffe les unités comme ça, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais les trucs qui augmentent à chaque tour d'attaque, je trouve ça trop stylé. On a le deuxième qui se transforme en Blue, du coup. On va avoir un tour avec deux transformations. On va avoir le Broly des Dragon Ball Super transformé et le Vegeta, du coup. Une bien belle rotation, une bien belle rotation. 180. Alors, du 134 000 ici. Ouais, bon, on va pas avoir grande différence. Alors, le Broly, il a combien? Il va avoir du 36 000 en défense, qui est horrible. Mais on a eu la défense baissée, je pense, ouais. On a la défense qui est baissée, donc on juge pas. On juge pas Broly. Il a la défense qui a été baissée. Ne jugez pas Broly. Don't judge Broly. Hop là. Bon, franchement, je suis impressionné par les valeurs de défense et d'attaque de cette team. Surtout de défense, en fait. On le heal parce qu'on part en spé, forcément. Et sa spé, c'est du ki. Donc, celle de Broly, par contre, si c'est du ki, c'est vraiment abusé. Le Broly aussi part avec du ki, mais ça n'a aucun sens, en fait. Le Broly met des coups. Même si à la fin, il met des coups, le Broly. Et ça, c'est pas un. Aussi, bah ça aussi. Ok, bon. On va compter sur le Broly DBS. Il a récupéré full life. Il a récupéré full life. On va compter sur le Broly DBS. C'est lui le meilleur de toute façon. C'est lui le plus beau. C'est le Broly DBS. Donc il va avoir. Mais il y a un bug là, c'est pas possible. Il a du 118 000 en défense. Mais il y a un bug dans la matrice là, les gars, c'est pas possible. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il ait autant de défense, même s'il stack, genre? C'est impressionnant. Ce perso, il continue à me surprendre, hein, c'est n'importe quoi, genre.
Bon voilà, lui c'est de l'attaque physique, hein, on va pas déconner non plus. 1 million 8 de valeur d'attaque. Là il montera pas plus haut. Voilà, il tape son petit 1 million 5. Le Vegeta Blue qui j'espère ne va pas partir en spé. Il augmente son taux de critique à chaque fois qu'il met un coup de 7%. Il est capé dans les. Bon, voilà, il a mis un critique du coup. Il est capé autour des 24%, je crois. Alors là, on va pouvoir retaper avec le kit du coup. Là-bas, du C17 saute. Alors, on va voir le Vegeta God. On va voir à combien il va monter ici. Alors, j'espère qu'il va activer sa garde et qu'on va se prendre un coup pour un peu voir. 387 000. Ok, bon, on a un lien ici qui s'active. Je sais plus si ça doit être. Peut-être Rasaïe. Non, c'est soit Dadivin, peut-être. Ah, je sais pas. 946 000 de valeur d'attaque. On arrive quand même à du 946 000 à la fin du combat alors qu'il est arbre gratuit. Sachant qu'il tank aussi. C'est vrai que les valeurs d'attaque, je vous ai dit, elles sont pas ouf ouf. Parce que le Vegeta, forcément, il a 130% de boost d'attaque sur le leader. Mais c'est vraiment pas mal en réalité. Il tank. Est-ce qu'il a sa barre vers le bas? On prend du 37 000 du coup alors qu'on est sur le mauvais type. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et le Broly qui va partir en spé à 1 million 4. Bon, le 1 million 5 presque même. Bon, le Broly il est vraiment incroyable. Broly est vraiment très fort. Et double SP peut-être? Non. Double attaque. Double attaque. Et on va revenir ici avec la dernière rota. Donc avec le Broly de DBS et TVR. Et on a du 118 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les frérots? Imaginez, ça aurait été une team à 100%. Imaginez, là, rien que le LR, il est gratuit, du coup, vous pouvez le mettre à 100%. Imaginez, il aurait été à 100%. Et là, du 71 000 de défense, alors qu'il est pas à 100%. Imaginez un peu, les frérots. Imaginez à combien il serait monté. Donc là, on va avoir la valeur d'attaque définitive. Je crois qu'on l'a déjà tout à l'heure. Donc c'est du 1 million. Ah là, on va avoir du 1 million 6. Tout à l'heure, on a réussi à monter jusqu'à 1 million 7. On devait avoir un lien de plus qui est activé. Et du coup, c'est la défaite du joueur américain Super C17. Donc voilà pour cette petite vidéo, les frères. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit test fun comme ça avec une team génie. Voilà. N'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié. Si vous voulez que j'en fasse ça avec une autre team. Et quelle team vous voulez que. Avec laquelle vous voulez que je fasse ce petit truc. Là, c'était full Vegeta et full Broly, mais. Parce qu'il n'y avait pas trop d'autres trucs. Mais j'ai regardé, il y a des trucs plutôt sympas à faire. Et vous allez voir qu'on peut bien s'amuser. Donc voilà pour ces petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, de faire un truc un peu différent de ce qu'il y a d'habitude. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher le petit pouce bleu. Ça ferait plaisir pour soutenir la chaîne et à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui soutiennent. Plein de bisous à vous. Le YouTube est encore dans la description. Frérot, une petite pub de 10 secondes, hop, tu la regardes, enfin 30 secondes, et puis après ça m'envoie 5 centimes pour en faire un petit barreau. N'hésite pas pour le nouveau PC qui va arriver. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Ciao, ciao, à la prochaine!